Salut à toutes et à tous encore. Une fois, je vous ai fait la surprise. Hein. J'adore vous faire la surprise sur Facebook. Donc, je me suis mis en direct aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, je suis en mode chorale. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en mode chorale parce que, voilà. Salut à Dramé Abdoulaye. Merci donc d'être venu. Je suis en mode chorale parce que, comme vous le savez, on va lancer bientôt l'événement, le festival chorale à Bamako, le mois prochain plus précisément. Je vous signale que je ne suis pas en voiture, hein. Je suis maintenant, j'ai pas de voiture. Mais d'ici quelques temps, le temps de, voilà, d'être en voiture pour une autre vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu de décor. Donc, je suis à la maison. Et voilà, je vous fais cette vidéo en fait pour vous parler du festival Chorale, pourquoi on va le mettre en place et pour soutenir aussi une cause en Afrique. C'est-à-dire que le festival Chorale, c'est aussi pour aider les autres. Hein. L'esprit, c'est ça. Parce que comme vous le savez, le mot Chorale en peul, ça veut dire entente, paix. Solidarité aussi, c'est ça l'esprit Chorale. On a envie de perpétuer un petit peu nos valeurs culturelles pour qu'on n'oublie pas d'où nous venons pour savoir où on va. Voilà, c'est ça l'esprit Chorale. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, en Afrique aujourd'hui, ou même ailleurs, hein, partout dans le monde, on commence vraiment à perdre nos valeurs. C'est-à-dire que les valeurs ancestrales qu'on avait autrefois sont en train de disparaître. Il s'agit en fait comment dire, de les valoriser, c'est-à-dire de les valoriser davantage, c'est-à-dire que nos cultures sont peut-être en perdition, faut pas qu'on les perde, pardon, parce que la culture, c'est vraiment la base. C'est à travers la culture qu'on a l'éducation, c'est à travers la culture qu'on apprend des choses sur nous-mêmes. C'est-à-dire on apprend sur le passé pour aller de l'avant, pour préparer le futur. Donc maintenant, nous, vous savez, nous les Africains, moi je suis malienne d'origine, qui sont en Europe ici, parfois on oublie ces valeurs-là. Il arrive que, comme je l'ai dit tantôt dans ma vidéo de la dernière fois, où je disais, il y a des gens ici qui n'aiment pas s'habiller en africaine. Et c'est dommage parce que il se passe tellement, enfin, il y a tellement de choses de jolies dans ce qu'on porte que je pense qu'il faudrait vraiment qu'on préserve cela. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a mis en place le Festival Chorale, qui est un festival qui est organisé ici en France, mais qui va tourner, Inch'Allah, dans d'autres pays dans le monde entier, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Asie ou ailleurs. Donc, chaque année, Inch'Allah, il y aura des destinations. On va proposer dans des pays différents chaque année, Inch'Allah. Donc, c'est ça l'idée. Donc, maintenant, pourquoi le festival Chorale? Déjà, comme je l'ai dit, pour perpétuer nos cultures, mais aussi et surtout de défendre une cause. Parce que, comme vous le savez aujourd'hui, en Afrique, moi, je vous dis une chose. Une fois, j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai vu l'image d'une femme qui est allongée sur une charrette. Elle était enceinte, donc. Elle était dans un village et pour accoucher, c'était pas évident. Il fallait qu'elle soit sur une charrette pour se déplacer, aller trouver un dispensaire qui est peut-être à 10 km du village. Vous imaginez ce qui peut se passer. Donc, cette femme-là peut par exemple faire une hémorragie interne, elle peut perdre son bébé, elle aussi, elle peut perdre la vie. Donc, c'est un danger. Donc, vous imaginez. Donc, et parfois, elles n'ont pas les équipements adéquats pour mettre bas. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a décidé très prochainement, que j'ai décidé d'organiser en ligne une campagne de récolte de fonds, s'il vous plaît. Donc écoutez, s'il vous plaît, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment de récolter des fonds pour soutenir ces femmes-là pour qu'elles aient au moins des vêtements à porter, des vêtements pour elles, mais aussi pour les bébés qui naissent, mais aussi qu'on puisse les soutenir. Vous voyez, donc c'est ça l'objectif de la récolte de fonds. Donc bientôt, on va passer par le site de récolte de fonds qui est Jama Funding et on va vraiment mettre à disposition
une plateforme où les gens pourront soutenir le projet, que ce soit 1 euro, 1000 francs CFA ou 10 euros, 15 euros, 100 euros, peu importe le montant, c'est vraiment pour aider ces gens-là. Et vous allez voir tout au long du processus, on vous dira comment les choses pourront évoluer. Une fois qu'on a les récoltes de fonds, après le festival Kaoral, on va se rendre donc au Mali, dans un village où on va amener par exemple des vêtements qu'on aura achetés ici, des poussettes de bébé, des parfums, vraiment des choses basiques qu'on va amener en Afrique et justement pour aider ces femmes-là. Donc je vous invite et je vous exhorte vraiment de nous soutenir dans le cadre de ce projet-là parce que l'objectif c'est vraiment d'aider. L'esprit, c'est ça, on veut aider. Il faut qu'on s'aide entre nous, que qui que vous soyez, vous pouvez soutenir le projet. Partout où vous êtes dans le monde, vous pourriez soutenir le projet avec 1 euro, 10 euros, 5 euros ou 1 dollar, peu importe. Donc voilà, c'est ça l'idée du Festival Kaoral. Donc je voulais vraiment vous en parler. Donc n'hésitez pas à suivre le projet en ligne. De toutes les façons, je vous donnerai toutes les informations nécessaires sur ma page Facebook, mais aussi à travers le site de Jama Funding qui s'occupera de la récolte des fonds. Voilà. Donc le projet Festival Kaoral, le lancement aura lieu, Inch'Allah, le mois prochain à Bamako. Et le Festival Kaoral aura lieu ici à Paris, Inch'Allah. Ce sera le 7 octobre. N'oubliez pas cette date. Hein. Partout, vous pourriez être. Arrêtez tout ce que vous faites et venez à Paris. On va fêter ensemble. Vous allez voir, ça va être super. Vous pourrez vous habiller dans vos vêtements traditionnels ou tout ce que vous voulez et venez pour qu'on puisse faire la fête ensemble. Voilà, merci beaucoup à vous. Donc, je vous donnerai très rapidement des nouvelles par rapport à ça. Et restez connectés, portez-vous bien et je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien surtout. Bye bye, ciao ciao.